Les amis, j'espère que vous allez bien, se retrouver pour un nouvel épisode du Let's Play Faction. Et aujourd'hui, les amis, je suis accompagné de la seule, l'unique, la charmante Audrey. Comment allez-vous? Très bien, toi? Toi, tu te retires très bien, vous, j'ai dit. Comment allez-vous? J'ai été vous voyez, mademoiselle. Donc, respectez un petit peu, les vieux. Oh, shit, j'ai un creeper. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve en compagnie d'Audrey pour un nouvel épisode du Let's Play, dans le fond. Ouverture, dans le fond, moi, je vais pas être là à l'ouverture, je vous fais directement cette vidéo-là. Puis on a commencé aussi vite fait avec Exodia à faire notre base parce que YOLO, vu qu'on sera pas là pendant les deux premiers jours de l'ouverture, on s'est dit why not, you know, like, moi je serai pas là, so let's go, pourquoi pas. Et puis de toute façon, c'est pas parce qu'on fait juste creuser un trou que ça va nous avantager, c'est juste que ça va nous sauver du temps pour faire le let's play dans le futur, genre, vous voyez ce que je veux dire, pendant l'ouverture, etc. Moi j'aurai pas le temps de jouer, so ça m'avance, genre, vous voyez ce que je veux dire, comme ça après on sera pas tout le temps pris à refaire des bases à chaque fois. So c'est pour ça que j'ai demandé à mon ami Exodia de faire ça. Là, elle va être fâchée parce que je vais taper, bien sûr. Donc, on va aller au spawn. Vous pouvez pas utiliser de commande là en combat. On va justement régler ça. Donc, ouais, aujourd'hui, les amis, l'ouverture du serveur qui se déroule dans quelques heures. À 16h, heure française, 10h, heure québécoise. Très important de noter ça à votre calendrier. Samedi, le 9 janvier. Et puis là, elle veut faire la Thug Life, mais bon. La Thug. Donc ouais, j'ai dit, on va aller au spawn dans le fond, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc ouais, il y aura plein de trucs qui ont été corrigés, les amis. Vous allez avoir accès à plein de commandes maintenant en combat. Vous allez aussi avoir le hit, le SC, et puis tous ces commandes-là gratuits comme avant. Le système de E-Cube sera pas là dès l'ouverture, en fait. Ça va vous dire, vous n'avez pas la permission. Pourquoi? C'est très simple, parce qu'on veut corriger tous les bugs de duplication qu'il y a avec celui-ci. Il y en a quand même quelques-uns. Donc voilà. J'espère que ça vous dérangera pas trop quand même. Même si je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aimeraient aimer qu'il soit là dès l'ouverture. Je préfère que le serveur ouvre et qu'il n'y ait pas de problème, que le serveur ouvre avec plein de problèmes. So, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que pour le rajouter tranquillement, pas vite, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des joueurs sur le serveur qui jouent régulièrement. Puis on va essayer de leur faire tester le plugin pour qu'ils trouvent des bugs de duplication, etc. Pour ensuite pouvoir nous aider dans nos recherches de bugs. Donc, voilà. C'est ce que j'avais à dire. Donc ouais, il y a un reset, ça, vous l'avez compris, les amis, je pense que vous êtes pas idiots. Les AP vont être on claim à 20h, on va on claim les AP. So, si vous êtes là aux alentours de 19h, 20h, ça va se passer entre ce temps-là. Je vous dis pas exactement l'heure parce que je sais pas si je vais être là exactement précisément cette heure-là, mais ça va être entre 19h et 20h. So, quand je vais voir qu'il y a pas mal de monde en ligne, je vais annoncer genre en 5 minutes, boum boum, je passe les AP. Et là, ça va être votre temps à vous. De joueurs de venir. D'ailleurs, je vais faire un live. So, moi et Exodia, on va faire un live. So, si vous voulez nous retrouver, nos deux chaînes Twitch sont dans la description. Peut-être pas pour l'ouverture, mais peut-être un peu après, je ferai un live. Ou peut-être pour l'ouverture, je sais pas. Du moins. Et puis voilà. Niveau des grades et tout. Bon, je peux aller au spawn maintenant. Niveau des grades et tout, les amis, c'est fucking compliqué. Faut retourner sur le TeamSpeak pour se faire rembourser vu que les idées des joueurs ont changé sur le serveur. Je suis vraiment navré pour ça. N'inquiétez-vous pas. Vous allez avoir genre un channel remboursement. Puis ça va être très simple. Je vais tout vous expliquer. Ça va tout être expliqué. Genre, vous allez devoir rêver, donner votre pseudo. Et puis les trucs vont vous être donnés différemment de ce que vous allez acheter. Vous n'avez pas besoin de que vous changez de pseudo. Si vous avez changé de pseudo, bien entendu, vous avez besoin d'une preuve, genre un screen sur Koi ou quelque chose comme quoi votre ancien pseudo, c'est bien celui que vous disiez qu'il l'est. Autre chose que je devais mentionner, ouais, le serveur il a pas tellement changé, les amis, à part que le site va être bientôt disponible. Donc, alors que je vous parle aujourd'hui, le site est pas encore disponible. Il y a encore quelques petits bugs. J'ai testé le site hier et il y avait quelques bugs. Et puis je voulais pas sortir un site buggé, donc j'ai demandé au gars de travailler, Senior et Dev, de retravailler dessus encore vite fait. Et puis lui aussi préfère un site sans bug, donc comme ça. Je vous mets un screen à l'écran, boum, maintenant. Comme ça, vous voyez un peu vite fait le site, qu'est-ce que ça a l'air. On va essayer assez propre, je trouve, personnellement. Et puis, on va avoir besoin, justement, de Audrey là, maintenant. Donc, Audrey, t'es OP, si tu peux me donner des clés de Lucky Box pour que je puisse en ouvrir quelques-unes. Fais déjà la commande. T'es sérieuse, là? Lucky Box, K-Give, je crois, et après, c'est Icons, Ultra, puis 10. Genre, quelque chose comme ça. C'est ça, c'est le serveur va reset et puis en gros qu'est-ce qui va arriver, c'est que pour le mois ici les 100 euros vont être gagnés par la faction à la fin du mois, genre vous allez juste avoir 15 jours, donc ça va être beaucoup moins de points, mais ça va quand même être pas pire. Donc commencez à farmer, les amis, commencez à préparer vos émeraudes, vos diamants dans vos under chests, et puis inquiétez-vous pas, quand que ça va venir directement, vous allez pouvoir être prêt. On a aussi changé le système de shop. Là, il y aura le Nether et le End ouvert, mais pas ce week-end vu qu'on veut pas que tout le monde, toutes les factions, c'est
On va l'ouvrir genre dans une semaine ou deux semaines, mais ça va être un end sûrement custom. Genre où ce que vous allez pouvoir farmer les creepers et puis les creepers et comment on appelle ça? Enderman. Voilà. Et puis dans le Nether, vous allez avoir sûrement un shop de tous les items en vente pour le truc. Donc voilà, je vous disais, en gros, des PNJ, ça change pas vraiment. Des blocs d'émeraude pour des glass spawners. Ensuite, comme des éponges, tous les trucs que vous pouvez trouver dans les temples. Donc la map a été régénérée comme elle était au début. Donc les gens qui avaient trouvé des temples, si vous avez encore les coordonnées, ben ils sont au même endroit. Je sais que c'est un peu plate pour ça, mais bon, c'est pas grave, c'est la seule sauvegarde qu'on avait. Et les pumpkins, encore même chose. C'est la même chose contre des émeraudes. Voilà. Et voilà. Même chose, ces deux PNJ là. Ce PNJ là. Et puis ce PNJ là va être changé. C'était celui des tartes ou quelque chose comme ça. Va être changé. Ensuite, comme j'ai dit, le shop in-game va être terminé. Voilà. Il reste certains items. Mais bon. En gros, ici, il y aura les hoopers, les repeaters, vu qu'ils sont incraftables, qui seront achetables ici. Les beacons aussi, même chose comme ça. Tous les items qui sont pas craftables, ce sera vraiment un petit shop, pas un grand shop comme avant. Il y avait un bug de duplication avec le plugin shop GUI Plus. On a décidé de pas le garder, vu qu'on avait trouvé un bug de duplication qu'on arrivait à reproduire avec les shops. Donc on s'est dit, ouais, non, c'est pas tellement de bonne idée. Si quelqu'un trouve la solution, ben, voilà. C'était pas facile, les amis, mais c'était quand même... Il fallait réfléchir et c'était quand même, il y en a quand même qui avait commencé à le faire. Parce qu'on avait revu, on avait vu des vidéos sur internet de vous les amis. Parce que quand vous faites une vidéo sur iFactionZ et vous taguez iFactionZ, il y a 90% du temps que j'ai la chance de l'avoir parce que je regarde toujours les trucs. Comme j'ai dit, les avant-postes qui vont être unclaimed. Et puis voilà. Ensuite, autre chose que j'ai besoin de vous parler, il y a eu des on-rank et des up-rank pour les gens qui étaient. Les guides qui étaient pas actifs à l'ouverture et tout ont été des ranks. De problème que je sais pas trop quoi là, enfin c'est pas moi qui gère ça, les membres du staff, il y a des membres du staff qui ont dégagé et tout, donc voilà. On essaie tout le temps de garder le serveur le mieux possible pour vous les amis. Je sais que vous allez pas être genre 200-300 comme vous l'étiez avant. Je sais que mes erreurs vont me coûter très cher, dans le sens que vont pas juste me coûter sur le nombre de connectés, mais vont me coûter aussi pour ma réputation. Je veux dire, je suis vraiment désolé encore une fois, je m'excuse. Je veux dire, si vous revenez pas, ben merci au moins d'être venu à la première version. C'est tout ce que je peux vous dire. Parce que, ben merci quoi, vous avez quand même fait du serveur une bonne, disons, première semaine. Il y a quand même eu 416 connectés et tout. Comme vous voyez, l'anti-X-ray qu'on a pu voir vite actif. Tout ça, c'est plutôt intéressant, plus de X-ray. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. C'est un de nos points les plus forts quoi. Et je crois que c'est ce que les gens vont plus aimer sur le serveur, c'est justement qu'il n'y ait plus de X-ray. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes, avec X-ray, si vous vous souvenez. Donc voilà. Même chose pour les commandes en combat, ça a été réglé. Beaucoup de commandes ont été ajoutées. Donnez-moi dans les commentaires les autres commandes que vous voulez que je rajoute. Et puis, Exodia ne veut pas accepter. Donc qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va clairement... on va aller au spawn et on va l'ouvrir une Lucky Box. Parce que voilà, elle veut pas nous téléporter là-bas. Wesh. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. À 16h heure française et puis 10, je sais plus quel autre temps. 50, tu m'en as donné 50. Damn bitches! So on va gagner le kit premium à vie. Donc on a gagné le kit premium à vie, ça c'est cool. En gros, ça veut dire qu'on a gagné le slash kit comme ça, premium pour à vie quoi. Donc ça c'est vraiment OP, c'est un des trucs les plus rares à obtenir. Et puis voilà. Niveau des caisses ici, les normales et les votes c'est pas encore disponible, ça sera pas encore disponible sur le site. Ça sera juste une boutique, peut-être un forum, je sais pas encore pour le forum. Juste une boutique au moins, puis la boutique sera pas activée tant et aussi longtemps les amis que le serveur sera pas, va pas fonctionner correctement et qu'on n'aura pas remboursé tous les joueurs qui a à être remboursés, ou du moins une grande majorité. C'est tout ce que j'avais à vous dire. La map a été générée aussi, donc il n'y aura pas nécessairement de gros problèmes à l'ouverture. Bon, c'est sûr que dans les premières minutes, le temps que les comptes se créent, etc., c'est sûr qu'il y en aura, mais j'espère que ça va se régler assez vite. Donc voilà, c'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire. Non. Je pense que c'est tout aussi. Dans le prochain épisode, ça va être un épisode plus blabla. Du moins, pas mon prochain épisode. Prochaine vidéo, ça va être plus un épisode blabla. Je vais vous parler un peu d'Icons Girls et qu'est-ce qui se passe et tout. Avec qui je vais continuer mon Let's Play Faction. Et puis, on va parler un peu de ma chaîne YouTube. Et ça va sûrement se faire avec Audrey encore. Mais cette fois-ci, en UHC. On va essayer de faire ça quelque chose. On va essayer de se faire une vidéo vraiment sympathique niveau PVP. Pour essayer de vous parler un peu de tout ça. Donc voilà, j'ai des choses à vous dire à propos de ça, de ma chaîne YouTube, et c'est pas mal tout. Donc voilà, venez nous rejoindre le 9 janvier les amis, je vous attends avec un grand nombre. Je sais, comme je vous dis, je suis encore une fois désolé pour tous les joueurs qui voulaient, qui étaient excités de commencer, mais bon. Pour m'excuser, je vais sûrement monter les prix là, donc surveillez souvent le spawn, les prix vont sûrement monter dépendamment des premières semaines, ou des deux premières semaines du fond.
les deux dernières semaines du mois. S'il y a beaucoup d'argent sur la boutique, on va monter les prix peut-être à 300, 100... non, 300, 250 et puis 100, ou quelque chose comme ça. On va essayer de faire de notre mieux possible pour vraiment vous donner le plus qu'on peut, parce que on l'a dit dès le départ, notre but, si c'était pour de faire l'argent, ben on aurait mis déjà une boutique quand ça l'a lagué au début et tout. Or là, c'était pas notre but. C'est tout ce que j'avais à vous dire, les amis. Je crois. C'est tout. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, vite fait? Je pense pas, non. Donc en gros, les ouverture de demain, donnez-moi les commandes que vous voulez qui soient activées en combat, et puis c'est pas mal tout les amis, 19h, 20h les AP, 16h et puis l'ouverture officielle 16h, 10h québécoise, et c'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire les amis. Merci à tous les amis d'être là, encore une fois désolé pour ceux qui vont pas revenir, mais merci encore d'avoir testé au moins une petite peu la version, j'apprécie énormément et on apprend tous de nos erreurs les amis. N'oubliez pas de sourire, c'est super important, je vous aime, c'est Tycoons, bonne fin de soirée.